Ah, la démo n'est pas finie? Comment ça, la démo n'est pas finie? La démo n'est pas finie. Comment ça, la démo n'est pas finie? Ah, c'est ça? Tester les talents et compétences des primordiaux de la version complète du jeu. On va voir. Mais en tout cas, ouais, ça donne envie de prendre le jeu. Hein. Franchement, très bonne mise en scène, musique de fou furieux. Et puis j'ai envie de buter la mère. Je veux buter la daronne. Je veux pas la mettre à l'abri, là. Je veux la buter. 13 années ont passé depuis le jour fatal où Clive a perdu en une nuit son père, son frère et son pays. Clive, devenu soldat esclave dans l'armée sambrécoise, décide de fuir et de rejoindre Sid, l'homme mystérieux qui l'a sauvé d'une mort certaine. Suivant la piste du mystérieux émissaire de feu qui a tué son frère, Clive s'est rendu avec Sid à Fort Norvan où l'homme se trouverait. Ils sont cependant repérés par Benedicta Arman et ses soldats, l'unité valdoise ayant pris le fort. Mais cette grosse créature, moi je pensais que c'était Clive qui s'était transformé en fait. C'est vrai qu'il y a des trucs là par contre que j'ai pas calculé là. Mystère, on sait pas vraiment. Ouais bah ouais, effectivement. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Aux ordres. Postez nos hommes à l'intérieur. Oui, non, effectivement, c'est pas le même personnage. Hein. J'ai confondu avec elle tout à l'heure. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oublié. Ok, donc ça, c'est la Gourgandine, attention. C'est bon. C'est vrai que j'ai du mal à piger comment Clive a pas grillé que c'était sa mère qui avait organisé tout ça. Pour moi, il a entendu sa voix en fait. Il devrait tout faire pour la buter. Je vois que dalle. Je vois que dalle. Alors, changer de primordial. Maintenant que Clive a obtenu les pouvoirs d'un nouveau primordial, il est possible de les activer en appuyant sur triangle. Ouais. Ouais, il a rien entendu, il était évanoui. Ouais. Ce sera un débat, j'ai envie de dire, clivant. Clive, clivant. Elle est bonne. Hey, ça en jette ce petit truc. Il faudra que tu m'apprennes ça. Abonnez-vous, faites des dons. Retrouvez-moi tous les soirs à la Cigale. Les meilleurs one-man show. Putain, j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit. Ah, c'est triangle, hein, ouais. Alors, éclipse de phénix, étreinte de Garuda et blocage de titan. Oh, d'accord. Ouais. Oh, d'accord, ok, pas mal, ouais. Ouais, d'accord, ok, et lui? Rapacité. Ok, j'attaque avec des griffes. Ah, c'est Bayonetta le truc quoi, ça rigole plus. Alors je sais pas au niveau de quoi ils les ont aidés Platinum Games, mais ça me rappelle bien des choses. Commençons par les cachots. Et pour... Je vois rien. Bonne idée. Tant qu'on fait en sorte de rester du bon côté des barreaux. Par ici. Sont tous vides. Ouais, ça aurait été un peu trop facile. Donc nous sommes avec Sid, très bien. Sid, la herse. Besoin d'aide? Oui, oui, c'est le gars qui a bossé sur Devil May Cry qui s'occupait de la partie combat, ça j'avais vu, ouais. Qu'est-ce que tu crois?
c'est moi qui fais tout le travail. Mais je me demande au niveau de quoi exactement Platinum Games les a aidés. Parce qu'ils ont dit sur leur Twitter qu'ils avaient participé au développement. C'est quand tu veux, Clive. Peut-être qu'avec leur expérience de Bayonetta, ils s'occupaient du boule des... de la blonde là qu'on a vu tout à l'heure. Excuse-moi le logo. POV Speedrun Ocarina of Time. T'as entendu ça? Ben, va falloir passer en force. Ce traître de Cid le Fulgurant est dans le fort. Trouvez-le et tuez-le. Ah, c'est carré, hein. Va vraiment falloir s'y habituer aussi à ça. Très bien. Bonjour à tous, messieurs. Comment allez-vous? Ah, j'ai eu personne, nice. Ah, ça y est, c'est le moment, on va rien comprendre. Ça, j'aime. Allez, nique-lui sa mère, vas-y. Vas-y Dogo, tue-le. Allez, tapez-le. Mais tapez-le. Mais... allez Dogo, tape. Oh, y'a lui qui s'arrasse. Je caisse. Bon, c'est quoi la suite? Oh bah ouais, c'est bien Devil May Cry. C'est bien le mec de Devil May Cry qui s'occupait de... ce n'est pas une bonne idée de passer par là. Des combats. Faut trouver une autre entrée. Je veux bien, mais... alors Cid, on est d'accord, on ne sait pas du tout qui c'est. Là. C'est absolument pas l'un des mecs qu'on avait vu au tout début du jeu. J'ai même pas vu sa tête encore, en fait. Salut Kirito. Où est-ce qu'il est ce con? Je peux pas le voir. Où est-ce qu'il est? Ouais non, c'est aucun des mecs du début, on est d'accord, qui m'appelait Wyvern. Bon, ça se passe vraiment bien après, quoi. Et si je sautais par là? Le chien, c'est le chiot, ouais, tout à fait. Oh, j'ai plus 20 ans, moi. Bon, ça va, t'as 50 ans. À tous les coups, t'as pas 70 ans, n'exagère pas. Voilà la garnison impériale. Tout ce que les valeurs. Eh, The Rock, il a 50 ans, hein, mec. Bordel. Y'en a partout. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Dommage. Courez! Des nouveaux ennemis! Ah merde, fallait appuyer au bon moment, je crois, non? Oh le combo! Oh là là! Non, alors par contre, si tu dis allez mon grand 10 fois par minute, ça va être compliqué. Je te le dis. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Ça suffit. Ça va être compliqué, hein. Courage. Ah. Perso, le 13, il faut switch de strat toutes les 2 minutes pour t'adapter au mob. Sinon, tu te fais os pour aucune raison. Injouable. J'avais vu que ce qui cassait les couilles aussi aux joueurs dans le 13, c'était l'aspect un peu trop couloir. Et pourtant, c'est celui qui m'a toujours attiré, le 13. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un peu à cette époque, c'est à l'époque du 13 que vraiment je me suis un peu plus intéressé à FF de loin. Bah alors. Et pourtant, c'est loin d'être le meilleur d'après les gens, hein. Peut-être pas un bon choix. Ah. C'est lui, capturez-le. Un ennemi. Allez, mon grand. Allez, mon grand.
Allez mon grand. Allez mon grand. Allez mon grand. Au secours. Allez mon grand. Ok d'accord. Oh putain, au secours. Ok, il va le dire 20 fois par minute. Ok. Bon, va falloir faire le deuil. Va falloir se faire une raison. Allez mon grand. Au secours. Vas-y mon grand. Allez mon grand, is the new putain de Forspoken. Exactement, les bonnes refs. Oh putain, il va le dire tout. Donc du coup, pendant 60 heures de jeu, on va attendre ça. Ça va être stylé. Après, je sais pas si je le ferai en live, mais en tout cas, j'ai très envie de le faire. Ça m'a donné envie tout ça. Non, je pense que Benedicta a pris ce fort avec une... Mais je... Ah, y a peut-être un... Je me rappelle qu'on avait dans un jeu une possibilité de les faire moins parler en combat. Peut-être qu'il y a ça aussi dans les options. Je sais pas. Je crois pas, hein, non. Ouais, non, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Tu peux changer l'activation auto du combo du chien qui trigger le « Allez mon grand » en retirant l'anneau dans les équipements. Ah, mais ils m'ont activé les anneaux qui rendent le jeu plus facile, automatiquement. Ils me les ont mis, les cons. Ah ouais, ils me les ont mis automatiquement, les cons. Augmente l'attaque de 7 points. Mais ça, c'est bien, ça. Mais quoi, je suis pas censé les mettre. Ça, c'est vraiment le mode facile, en fait. Ah, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le rond. Ouais, non, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Accessoires de soutien, les actions des commandes de Talgor se déclencheront automatiquement suivant les attaques portées par Clive. Parce que du coup, je suis censé le faire manuellement, normalement. Les attaques du Dogo. Mais ils m'ont pas dit comment le faire. Bon, je pense que dans le jeu final, ils te diront comment le faire. Mais donc ça c'est le mode facile, même ça. Hein. Bon bah écoutez. Écoutez. Bon, écoutez, on s'y fera. Parce qu'ils m'ont pas dit comment jouer avec le Dogo du coup. Parce que je suppose que c'est un peu comme Kratos et Atreus. En appuyant sur le bouton au bon moment d'Atreus, tu pouvais faire des combos avec Kratos. Oh, le plagiat Breath of the Wild. Oh là là, il ouvre son coffre avec le pied, comme Link, c'est forcément un plagiat. Espèce de salaud. L'alarme. Ils vont rameuter leurs copains. On court. Ah, flèche gauche pour le chien. Ah oui, d'accord, ok. Attaque en haut, soin à droite et charge en bas. Ok, d'accord. Mais il va la fermer sa gueule! Je trouve un nouveau jouet. Enfin, s'habituer à toutes les touches, hein. Va falloir s'habituer à toutes les touches. Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Dans ce cas-là, les attaques frontales n'ont plus aucun effet. Ouais. Ok. Oh, tu l'as vu ce combo là? Oh là là, mais incroyable. Je voulais l'emmener en l'air pour le faire retomber avec un smash. Incroyable. T'as kiffé le dunk, hein. Attention! Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y a des dogos, merde! Oh non, on va tuer les chiens. Ça fait mal, hein, les attaques spéciales comme ça, non?
C'est vénère, hein. Allez, moi. Vas-y, mon grand. Ok, alors lui, attention. Ah, là, on brise sa garde. Ok, d'accord. Putain, le délai de récupération des supers attaques comme ça m'a l'air très très court. Hein. Holy shit. Par contre, je me sers pas assez de ça. Le dash. Bien joué les gars. C'est moi qui ai tout fait, mais... Qu'est-ce que c'est cette jauge orange en haut à gauche là? C'est ma stabilisation? Qu'est-ce que c'est que ça? Une super attaque? C'est une rage spartiate, comment on l'utilise? Ah, attends, mais t'as un nouveau L2 suivant ta... Ok. Ah oui, t'as un shield avec cette attaque-là. Et là, tu dashes. Ok, la rage spartiate, c'est ça. Ok. C'est L3 plus R3, comme dans God of War, il me semble. God of War, je sais plus si c'est L3 et R3 et R1 ou L1, je sais plus. Je crois que c'est R3 L3. Ok, très bien, d'accord. On a une rage spartiate. On peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante... C'est pareil, ouais, ce qui me semblait. Par contre, je vois que dalle, hein, vraiment. Je vois que dans le retour, vous voyez un peu plus que moi. Je vais jouer sur OBS. Je montrerai un peu la luminosité la prochaine fois. Putain, la démo elle est grave longue, hein. Ils sont pas foutus de notre gueule à ce niveau-là, hein, pour le coup. Ils sont confiants. Ils sont confiants sur leur jeu. On fait toujours trop. Ouais, c'est Nathan Drake. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef? Tu veux dire où est l'émissaire? Valeud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolphus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde, mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes! Tu n'as donc aucune loyauté? Quoi? Il veut servir de moi, comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolphus! C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es, ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres, être libre. Clive qui sait pas vraiment où se foutre en attendant. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux? Renier quoi? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort? Quel beau discours, mon commandant! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé.
La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi! Oh, j'en ai assez entendu! Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Oh yes, on va la buter! Oh, let's go! Oh là, ça sent le combat de... de primordiaux. Ah non, du tout. Recule, Clive. Allez, viens. Eh, la mise en scène est stylée, mais je peux la jouer cette phase, s'il vous plaît? Clive. Il fallait intervenir, Clive, c'était le moment, là. Le 3 contre 1, pour moi, c'était un message. Achevez-les. Bah écoute, cette démo, sympa pour le moment, c'est sympa. Bon, par contre, on est d'accord que le gros Phoenix de tout à l'heure... d'un coup. C'était une chimère, on est d'accord, tout ça c'est des chimères. Ouais, c'était des chimères. Ouais, donc c'est vraiment pas que dans FF6. Merde, comment on fait déjà? Attaque Dogo, comment on fait déjà pour changer? Ok, la popo. Hey boy. Tiens, tu peux prendre ton temps en fait. Ok, on l'a bien démonté. Il m'a cassé la gueule. Allez mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Je savais plus où j'étais. Oh là là, le turbo qu'il a le Dogo. Ok, une de moins. Elle n'a pas l'air contente, d'accord. Allez. Non, j'ai esquivé, je suis pas d'accord. C'est ce qu'il fallait. Un petit coup de pouce. Vas-y mon grand. Vas-y mon grand. T'es grand. T'es grand mon champion. Allez, soigne-moi. Il peut me soigner le Dogo?
Ouais, il me soigne pas de beaucoup, quoi. Aide-moi, Dogo! Je crois que je pouvais pas plus mal jouer que ça. Ah, c'est chaud hein, de gérer ton perso et le Dogo en même temps. C'est vraiment chaud hein. Ah, alors celui bien ça, je me fais casser la gueule. Ah, attention parce qu'il va me casser la gueule. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a la bague, ouais. Après la bague, bon. C'est les modes easy apparemment. Donc on essaiera de jouer sans. Si tu la butes, mon grand, t'auras un Scooby Snack. Y a pas d'arnaque. Bon, on n'est pas encore dead, on n'est pas encore mort. Sid, est-ce que tu vas bien ? J'ai l'air d'aller bien. Merci pour les GG. Benedicta va emmener l'émissaire et se barrer, si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi alors ? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. Allez, viens, Talgor. Par contre, s'il nous bute le Dogo à la fin du jeu, c'est 0 sur 1. C'est plus le Gotti. On me le banne. Ouais, alors du coup, j'ai plus de popo du tout. Je n'ai plus du tout de popo et il n'y en a pas à drop. Ah ! Viens, Talgor. Ouais, puis non, il n'y en a pas dans les objets. Tant pis, on fera 100. On est des tchads, on s'en bat les couilles. Pas besoin de soins, je me fais pas toucher. Bon, j'ai ma rage spartiate, entre guillemets. J'aurais dû l'utiliser en plein fight d'ailleurs. Des popos ? Une météorite ? Mais j'en ai rien à foutre. Donne-moi une popo. Hey boy. DS3 de Chad. Pas de popo, hein. Ah, merci. Merci beaucoup. Attends, il y a plusieurs chemins, là. Non, parce que... c'est quand même un délire, là. Ouais. Ouais, je vais mettre un petit peu, je vais augmenter un petit peu parce que là, c'est un peu la galère. Voilà, c'est déjà mieux. Augmente les dégâts de compétences de Phoenix, on incendiaire de 9%.
On est sûr que c'est le mode easy, ça? Parce que ça, bon, augmenter les stats, bon. Ça, ok, c'est clairement le mode easy. Mais bon. Bonjour les amis. Certains ennemis peuvent utiliser le sort soin pour récupérer, régénérer les points de vie de leurs alliés à proximité. Il est recommandé de les vaincre en priorité pour ne pas faire durer le combat. On s'en occupe. Je pense que c'est toi, hein. Ouais, je pense que c'est toi. Oh shit! Ça a pété ça, non? C'est bien, Dalgor. Vas-y, mon grand. Ah ouais! Sympa les petits combos là, qu'on pourrait faire avec le Dogo. Bon par contre ouais effectivement, faut gérer le Dogo et le personnage. Ouais. Ils ont bien fait de mettre une bague qui te permet de pas gérer le Dogo. J'ai essayé de jouer sans moi. L'Eniripsa en premier, exactement. Toujours l'écras et les aignants en premier. Toujours. Et ni soin. Et ni soin. Essayons de passer par là. Non mais écoutez, moi pour le moment, j'aime bien. Hein. La démo m'a vraiment donné envie d'acheter le jeu. 80 boules dans le cul, mais bon. Il faut se dépêcher d'évacuer. On a bien mis 40 boules pour Sonic Boom et pour Forspoken, donc bon. Salut les gars. Et je crois que faut que je reste appuyé sur la touche. Hein. Pour celui-ci, pour le titan. Je vais essayer de rester appuyé. Ils te disent rien aussi, là. Ils sont pas cool. Ouais, c'est ça, pour les titans, il faut rester appuyé, ce qui me semblait, ouais. Voir un peu. Non, faut vraiment lâcher quand t'es au rouge. Désolé, Talgor. C'était juste pour tester, bonhomme. Des os, pas des os. Bonjour à tous. Regardez ce combo, regardez. Je l'envoie en l'air. Et après, je retombe avec ça. Oh là 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 là. Est-ce que c'est pas le up B de Ike? Mais incroyable ça. Ouais, encore les petites ressources dont on se bat les couilles. Je garde ma rage spartiate pour un boss éventuel. Ah oui! Oh les corps. Ah ouais, mais l'autre il les soigne. Merde. What? Je l'ai raté? Je suis dégueu. Elle a pas intérêt à s'être envolée. Zut. Bon ouais, tu peux l'avoir à moins cher que 80 boules, hein, à mon avis, sur Amazon et tout le bordel. C'est sûrement ce que je ferais. De pas beaucoup, mais bon. Oh, il est passé derrière. Oh le bâtard.
Ah, t'as vu, je pense au Dogo, hein. Un petit coup de morsure. Vas-y, mon grand. Il m'a défoncé. Il m'a cassé la gueule. Putain, mais l'autre Dogo, il faut le défoncer, l'autre Dogo. Il me casse les couilles depuis tout à l'heure, là. Allez. J'appelle le vent. Dommage. Allez, moi. Vas-y, Dogo. Tu peux faire, allez. Eh bien, jeu de l'année, il y a des dogos, tout à fait. Et des dogos qu'on peut caresser surtout. Hein, Zelda? Quelle honte. C'est honteux. Alors, attends, comment on fait. Ouais. Exactement. C'est tout à fait ce que je voulais. Comme ça on a la super popo dans les raccourcis, c'est parfait. Putain, elle est longue la démo quand même, hein. Incroyable. Alors qu'est-ce que tu dis de ça, enfoiré? C'est fort, hein. La Terre, elle est vénère, hein. C'était de la ligne 2, ouais, tout à fait. En avant-première sur mon stream. Merci à Bandai de me faire confiance. Et à From, du coup. On s'est pris un petit café, là, avec Miyazaki, il y a pas longtemps. Donc, aussi, voilà. Voilà. Avec Mimi, le poteau. J'ai gardé la rage partiate. À vrai dire, je m'attendais à mieux de sa part. Tu vas morfler. Toi, en revanche, c'est la deuxième fois que tu l'emportes sur mes sœurs. Les hommes de ta trempe ne sont pas légion. Pourquoi gâcher ton talent avec Cid et sa bande? J'ai bien envie de t'adopter. Allez, viens, tu devrais rejoindre le camp des gagnants. Sorcière! Vous savez très bien ce que je veux. Livrez-moi l'émissaire. Serpent, je ne mange pas ce pain-là. Comment oses-tu me donner des ordres? Tu avais pourtant l'air d'un bon petit chien. Tu sais, le maître n'obéit pas aux aboiements de sa meute, c'est l'inverse. Il est grand temps que je te le fasse comprendre. Elle est très distinguée. Faut vraiment tout expliquer, le marquis. Les bêtes n'ont aucun droit. Elles obéissent! Je vais t'abattre, puisque je ne peux pas te dresser. Alors, il y a erreur sur la personne, moi je suis un humain, je ne suis pas un animal. Imagine ce genre de héros, premier degré. Il y a erreur sur la personne, madame. Ok, d'accord. Le combo, on a tout raté. Fait chier. Dans ta gueule, Brigitte. Ok, je prends tout.
Oh, c'est trop mignon, fait des petites étincelles. Allez, à mon tour maintenant. Eh, t'es trop nul. On la défonce. Merde, elle m'a empêché de faire mon super coup. La mise en scène est vraiment stylée, hein. Les musiques aussi. Je veux une réponse. Je vais te faire payer. Ouais, mais c'est, en fait, c'est un peu de la triche là. Moi, j'ai pas d'elle. Moi, je trouve ça un peu... brut de coffre. Prends ça. Ouais, voilà. Mon dogo. Saleté de chien. Ouais, oh, calme-toi avec... Oh, la connasse. Alors là, par contre, t'aurais jamais dû. Là, t'aurais jamais dû. Aise. Non, j'ai esquivé, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, là, vraiment, je suis pas d'accord, mon survivre. Je vais te dresser. Mais tu as combien d'attaques, connasse? Qu'elle fait. Elle fait des petites lumières. Je crois que ça sert à quelque chose contre moi. Eh, t'es trop nul. Regardez, elle me touche pas. J'ai l'ultra instinct, cette connasse. Allez, ça crève. Putain, mais c'est un sac à PV, hein. Tu vas rejoindre ton club, ça l'a dit. Oh, la violence. Ça sent le QTE, là. Je l'aurai un jour, je l'aurai. De Robert. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu es à moi. Tu me dénonces.
Bon, est-ce qu'on peut arrêter les attaques personnelles comme ça, là? Ça commence à être vexant en force, vraiment. Ah, attends, je crois qu'il me reste un truc. Ah, j'ai plus de celle de défense. Eh, merde. Ah, mais j'ai oublié un petit détail. Voilà, connasse. J'ai oublié ma rage partiate. Oh là 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 là, mais c'est trop mon pote. C'est le meilleur. Je vais t'appeler fantôme. Ah ça, ça à mon avis ça va faire mal. Putain, il lui a fait une Rey Mysterio le dogo. Allez, c'est parti, tu vas prendre ta part, connasse. Mouda, 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 mouda. Ok, bien joué. Qu'est-ce que c'est? J'aime pas ça là, tu arrêtes. Merde, je l'ai raté. Mais quand est-ce qu'elle finit ses coups? Je me suis fait baiser. Deux. Trois. C'est bon, c'est fini. Ouais, elle est pas contente la Bénédicte, hein. Elle est assez énervée. Elle est un peu en mode Bulma, tu vas me le payer. Merde, j'ai raté le rouge. Vas-y mon grand. Attention à la tornade. Mais laisse mon chien. Je vais t'apprendre. Soigne-moi. C'est un sacré sac à PV quand même, hein. Ouais, elle fait 4 coups là. Encore? Mais... Elle, c'est la team chat. Malveillance max. Ah, elle est pas contente. Allez, le first try, ça dégage. Mais tu n'es qu'un marqué. Quoi? Tu vas chialer? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu survivre? Comment? La réponse est simple. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Pour quelqu'un. Et il est bon. Ferme-la! Pourquoi n'es-tu pas mort? Je n'ai plus envie de discuter. Vous feriez mieux de me dire où il est. Qui? Ça rage sec! Qui es-tu? Allez, GG, j'y ai, j'y ai. C'est ça qu'on aime. Absorber son pouvoir. On a des ailes, ça y est.
vont s'arrêter sur ça, les bâtards. Ils vont arrêter la démo sur ça. Les salauds. Oh, les salauds. Salauds. Bande de salauds. Salauds ! J'aurai votre peau. Bon, bah, la vie n'a pas changé, hein. Ça donne envie de jouer au jeu. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien les combats. Bon, après, j'aurais pas testé les autres FF avant, hormis FF6, donc bon, pas trop de points de comparaison, mais j'aime bien. Pouvoir faire pas mal de beat'em up. Non, puis l'histoire intrigue, en fait. L'ambiance est cool, la mise en scène est cool, les musiques aussi, donc je le prendrai, hein. Je le prendrai volontiers. C'était plutôt sympathique. Même si, bon, je sais pas pourquoi ils te mettent enfin, ils te laissent autant de temps pour faire les QTE. Je sais pas trop pourquoi, mais... On sera pas mort. J'espère que le jeu sera pas non plus trop easy, je pense pas, mais bon. Sans les bagues, j'entends. Hein. Trop easy sans les bagues, parce que j'ai pas utilisé les bagues. Et effectivement, il y a un système de parade que j'ai pas utilisé, parce qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. J'ai oublié celui-là où tu dois appuyer sur le bouton d'attaque au moment où on t'attaque. Mais ouais, après le jeu peut être tout public sans être trop facile non plus, tu vois. Après bon, là c'était le début. J'ai pas trouvé ça trop facile non plus, mais les QTE ils te laissent trop de temps quoi. Faut pas non plus exagérer. Bah c'était cool,